Alors Jojo, qu'est-ce que vous avez prévu pour Dynasty le Alors Tia, ça sera un concours de jongle. Ah. Oh, oui. En français, il voit rien dit jongle. Il a joué au football. Hein. Effectivement. Mais moi aussi j'ai joué. Donc, personne ne me croit ici. Sinon moi aussi j'ai joué. J'ai même coaché une équipe. D'accord. De première division, en fait. Bon, Dynasty, vous êtes prêt à relever ce défi? Mais Jojo a tout fait, lui, là. Bah oui, effectivement. Bah, dans la vie, il faut tout faire, hein. Il faut passer partout. Bon, j'appelle Dynasty sur le tatami magique. C'est toujours là que je bats mes invités du vendredi. Alors, on y va, voilà. Je vous suis. Dynasty, je vous rappelle, est très bien habillée, Tia. Ça sera vraiment ballon, c'est ça, c'est-à-dire que... Ce ballon a les mains sur ton pied. J'espère qu'il n'y a pas les billes bizarres dedans. À checker à Garba et tout ça. Alors, on va commencer par l'invité, Tia. On commence par Dynasty. Oui, honneur aux invités. Non, non, mais c'est toi qui dois recevoir l'invité. Moi, je suis un bantou. Et chez nous, les bantous, tu ne peux pas me dire d'entrer dans ta maison lorsque tu es placé derrière moi. Mais c'est comme ça, c'est déjà. Alors, vous savez quoi? Non, on reste. Tu es bantou aussi? On est à con. À quand? Nous sommes bantous chez nous. Tu ne peux pas me dire d'entrer dans ta maison avant toi-même. Bon, c'est pas grave. Allez, bon, vous y allez, Jojo. D'accord? Ok, d'accord. Allez, on y va, c'est parti. Je commence par 5. Moi, je dis FS5. 1. 3. Ok. Vous avez fait 3. Ok, Dynasty. Ok. C'est à cause de mes chaussures. Je gagne quoi? Allez-y seulement. 1, 2, 3, 4, 5. 12. Ok, ça c'était la première manche. Voilà, ouais. Effectivement, c'est toujours comme ça. Hein. On nous a toujours dit de laisser les invités gagner d'abord. Il n'y a pas de souci. Premier round. Alors, premier round. Premier round. Remporté donc par Dynasty le titre, messieurs, dames. Jojo, on y va? Bon, j'ai même pas de supporters. Yves Boris. Jojo. Oui. Jojo, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. La passe à Tia. Ah, moi, Tia, ce que j'ai fait. J'ai donné la passe à Tia. 5. Ok. On y va. 1, 2, 3, 4. Yeah! Attention. Ah, mais on a dit, il est en sable. Allons-y. Oh, frangin. Il fallait me dire, il fallait me prévenir. Non, mais c'est pas grave, non. Je prends Tiens, c'est un vrai défi, apparemment. Je prends les précautions. Ah, d'accord. Troisième et dernier round, messieurs, dames. D'accord. Le troisième round. Donc là, attendez. Bon, attendez. On va commencer par là. Donc, premier round remporté par Dynasty. Deuxième round remporté par. Ah, Jojo. 12 et 3, hein, il faut dire. On y va pour la dernière manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non. Non, mais ça compte pour. Jojo, sois sérieux. 9. Ça compte pour. Jojo, sois sérieux. 9. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oh! Bravo. Où est le trophée? Et la bonne nouvelle, Dynasty, c'est que dans ce jeu-là, on ne gagne rien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. J'ai cru qu'il y avait un trophée. Bon, vous ne gagnez rien. Je pouvais rentrer au Cameroun à l'aéroport avec le drapeau vert rouge et le trophée que j'ai tabassé et tous les Ivoiriens. Vous gagnez juste les applaudissements de Yellow. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, Dynasty le Tigre. Ouais. Oh, merci, Jojo. Je vous en prie, Tia. Ok, super. Dynasty le Tigre, ouais. On va parler de votre dernier single. Mm-hmm. Alors, c'est cet hymne à la réconciliation nationale. Mm-hmm. Oui. Il est disponible partout. Oui. Pourquoi avoir eu envie de chanter, justement? Est-ce que c'était important, en votre qualité d'artiste, d'évoquer, justement, ce thème, ce sujet? Oui, moi je crois qu'un artiste est le miroir de la société, n'est-ce pas? Dénoncer et si possible apporter des solutions. Et comme nous sommes tous conscients qu'en Afrique, au jour d'aujourd'hui, c'est très facile de voir les défauts de tout le monde. Oui, ma chérie, ton pied est un peu tordu, oui, ta bouche est comme ça, c'est facile de le dire. Mais ça, c'est le problème. Tu proposes quoi? En Afrique, tout le monde est apte à trouver les défauts des autres, mais pas des solutions. Alors moi, je me dis, en tant qu'un artiste, et vu le climat politique qui règne dans mon pays, le Cameroun, il est temps que les artistes camerounais et africains, en général, se lèvent, parce que l'Afrique, c'est le futur. Il est temps qu'on se lève, nous, avec les voix que nous avons, non seulement de chanter les chansons, soit pour animer la galerie, soit pour chercher de l'argent, mais aussi éveiller les consciences, réveiller les mentalités. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique a besoin aussi de ses enfants, peu importe ce qu'ils font, absolument, pour qu'on se réveille. Alors, quel est l'objet de votre présence, hein, quand même, à Abidjan? Parce qu'on imagine que ce ne sont pas des vacances. Surtout qu'on sait qu'il y a une petite tigresse dans votre vie. Hein? Bon,
Priscille la dégameuse. Une petite tigresse dans ma vie, je ne dirais pas non. Mais ce que je dirais, c'est qu'il y a une grande tigresse à Abidjan qui cherche à m'embrouiller. Et je ne sais pas comment je suis arrivé là. Mais ce que je sais, c'est que pour l'instant, la grande tigresse d'Abidjan a un spectacle demain. Mm-hmm. Voilà. Donc, il fallait que le plus grand tigre soit là pour protéger la tigresse. Afin que tout se passe bien, parce que la tigresse mérite mieux, tu vois. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Bon, donc vous avez compris, hein. La tigresse, c'est Priscille la dégameuse. Donc, mesdames, les fans de Dynasty, bon, son cœur est pris. Hein. C'est tout ce qu'on doit retenir de cette émission. C'est ce que je t'ai dit. Eh ben, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Ah, je croyais que tu portais le nom de ton père, ta mère. En tous les cas, c'est Priscille, c'est une grande dame, une fille ivoirienne très battante, très talentueuse. Mm-hmm. Et il était question que moi, je vienne donner la force à cette grande tigresse. D'accord. À quand Dynasty le Tigre sur scène, à Abidjan? Je ne sais pas. Peut-être demain. Demain? Bon. Eh bien, très bien. Le concert des Priscilles. Voilà, très bien. Allez, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, hein, Dynasty. C'est moi qui vous dis merci. Mm-hmm. La prochaine fois, il faut m'avertir. Je viendrai avec mes godasses. Il n'y a même pas de souci. Voilà. Avec mes godasses. Après avoir prié, je vais prier avec l'huile d'olive parce que je sens qu'il y a la tauté dans ce bar. Non, pas du tout, pas du tout, absolument pas. Bon, en tout cas, merci. Vous revenez quand vous voulez. Ah, il y a Corona, hein. Mais bon, c'est pas grave, le cœur y est. Allez, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et en la compagnie de Dynasty le Tigre. Allez, bon week-end. Bisous, bisous. Bye bye.